Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors je suis désolée, j'aurais pas meilleure luminosité. Je suis dans ma voiture en plein soleil, je suis en train de manger parce qu'il est actuellement midi et demi, je dirais. J'arrive même pas à tourner ma clé pour vous donner l'heure. Ouais, il est midi 27, donc oui, midi et demi. Et donc, je suis donc dans la voiture en train de déjeuner. Je viens d'appeler les gars, tout se passe bien à la maison. Et en fait, moi, je mange dans ma voiture parce que la pièce dans l'usine, elle est trop petite, en fait. Et on est toutes collées les unes aux autres. Et par rapport au contexte Covid, je trouve vraiment pas ça top. Donc, je préfère manger toute seule dans ma voiture. Tant pis, en plein cagnard aussi, parce qu'il fait très chaud, mais tant pis. Donc bah là, je termine de manger et puis je vais retourner travailler dans un quart d'heure parce que je récupère des heures vu que bah, jeudi matin, je ne vais pas travailler puisque je dois emmener Adam à son rendez-vous psychomotricien. Donc je pense que j'arriverai au boulot que vers 11h. Donc ça me fait déjà, juste pour un rendez-vous, ça me fait déjà 3 heures à récupérer. Donc ça me fait 6 jours de récup sur pause-déj. Donc bon. Et en sachant que j'ai déjà des heures à récupérer de rendez-vous que j'ai eu avant. Donc voilà. Du coup, eh ben je vais pas m'attarder parce que j'ai pas beaucoup de temps pour manger. Donc je me dépêche et puis je vous reprendrai ce soir. Alors je vous reprendrai en arrivant à la maison puisque je dois repasser à la maison chercher des masques parce que j'ai oublié mes masques à la maison ce matin et que pour mon rendez-vous de ce soir, j'ai rendez-vous avec l'assistante sociale du CMP où est suivi Adam. Et bah, il me faut un masque. Donc comme je passe au bout de Vezin, en fait il y a un rond-point où par là on va à Cholet, par là on rentre dans Vezin. Donc du coup je vais rentrer dans Vezin et repartir sur Cholet. Après je vais aller chercher des masques et ensuite je rentrerai à la maison. Du coup les gars sont informés qu'ils doivent rentrer tout seuls ce soir. J'espère que ça ira bien. Et puis moi du coup juste après mon rendez-vous je rentre direct. De toute façon je vais les appeler quand je vais sortir du boulot. Enfin. En fait, je vais les appeler quand j'arriverai là-bas parce que je pense que je vais arriver un petit peu en avance et mon rendez-vous est à 17h, donc eux, ils seront déjà rentrés à la maison. Donc du coup, je les appellerai quand j'arriverai sur Cholet. Comme ça, je vérifierai que tout va bien et puis je vais essayer de faire au plus vite, quoi. Donc voilà. Bon, du coup, je me dépêche de manger et je retourne bosser. Je vous reprends, il est 16h20. Et la table n'est pas débarrassée. Je viens d'arriver à la maison, là je viens juste chercher un masque et je repars en fait. Je vais juste ouvrir mon courrier quand même parce que j'ai pas mal de choses. Notamment des courriers qui ne sont même pas pour moi. Là je suis juste repassée pour prendre un masque puisque comme j'avais dit, j'avais oublié en fait. D'accord, mon office de logement me dit qu'il va y avoir des travaux chez moi. Ah punaise! La semaine prochaine, soit du 5 au 9 octobre. Bah, c'est pas la semaine prochaine, le 5 au 9 octobre. Bon, j'avais reçu effectivement un message de cette entreprise pour me dire qu'il allait y avoir un... Enfin, qu'ils avaient eu une mission d'intervenir chez moi, etc. Et que du coup, il fallait que je rappelle. Et en fait, j'ai pas rappelé. Donc, je vais le faire du coup. Si ça pouvait être des travaux d'isolation, ce serait top. Peut-être que je resterai ici plus longtemps. J'en doute, hein, honnêtement. Donc là, je vais partir à mon rendez-vous. Une fois arrivé là-bas, j'appellerai les enfants qui, eux, seront rentrés de l'école, puisqu'ils vont rentrer dans 10 minutes. Enfin, ils vont sortir de l'école dans 10 minutes, donc dans 20 minutes, ils sont à la maison. Et moi, j'en ai pour 25-30 minutes pour aller au rendez-vous. Donc là, c'est bon, j'ai mon masque. Donc je pars au rendez-vous et puis je vous reprendrai après pour vous dire ce que ça a donné. Donc c'est parti, j'y vais. Et puis je vous reprends à mon retour. Hein. Enfin, ou au moins quand je sortirai du rendez-vous pour vous faire un petit débrief. Bon, et je vous reprends, il est tard. Il est, je sais même pas. J'ai mon ordinateur sur les genoux, je vais vous dire. 21h55. Je voulais vous reprendre après mon rendez-vous. Et en fait, j'étais en stress. Clairement, j'étais en stress parce que. J'avais dit à Com, ce soir vous rentrez tous les trois, j'ai confiance, hein, comme le midi, ça se passe toujours super bien, donc pas de raison. Du coup, je leur ai dit, vous rentrez, vous prenez votre goûter, puis vous regardez la télé, vous ferez vos leçons avec moi quand je serai rentrée, en fait. Donc jusqu'ici, regarder la télé, c'est pas compliqué. Donc j'avais confiance, j'avais dit à Com,
je vous appelle en fait dès que j'arrive sur à mon rendez-vous, comme je vais arriver un peu en avance, je vous appelle dès que je suis sur place, juste avant mon rendez-vous. Il m'avait dit ok. Sauf que, en fait, hier, il m'a demandé s'il pouvait aller à l'arrêt de bus pour rejoindre Elsa et pouvoir faire le trajet de retour de bus en fait avec Elsa. Je lui avais dit oui. Sauf que, en fait, il a voulu y retourner ce soir. Mais comme il y avait ses frères avec lui, il les a obligés à venir avec lui. Sauf que ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'Elsa, elle arrivait au bus qu'une heure après. Eux, ils sont sortis à 16h30 et en gros, Com les a emmenés directement à l'arrêt de bus. Donc, c'est en soi, c'est pas un souci. Parce que je sais qu'ils sont prudents sur la route et tout ça, ils font attention. Enfin, j'arrête, je le demande à chaque fois à Com et il me dit, mais non, en fait, on discute et on marche, c'est tout. Et donc, je suis très fière d'eux, j'avoue, parce que je me dis, ils sont quand même encore jeunes, surtout Marceau. Et franchement, je trouve ça super que déjà à leur âge, ils soient aussi autonomes et sérieux, surtout. Et donc, du coup, ils sont partis à l'arrêt de bus. Donc, moi, quand j'ai appelé, en fait, il y avait personne à la maison. Parce que du coup, ils attendaient le bus. Sauf que le bus, il arrivait qu'à 17h30. Donc, ça m'a un petit peu fait flipper parce que j'ai dû appeler au moins 20 fois et personne ne me répondait. Je me disais, mais pourquoi ils sont pas là? Pourquoi ils sont pas là? Au même moment, il y a la dame qui vient me chercher. Elle me dit, vous avez un souci? Alors, je dis, en fait, je sais pas trop. Je dis, mes enfants sont pas rentrés. Elle me dit, elle me dit, le rendez-vous devrait pas durer très longtemps. Alors, elle me dit, vous pouvez rappeler de là-haut hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Du coup, je suis montée avec elle, on a commencé le rendez-vous. Et en sortant du rendez-vous, j'ai essayé de rappeler et toujours rien. Honnêtement, j'étais en panique, j'avais envie de pleurer. Et j'ai pris ma voiture, je suis partie et en fait, sur la route, il m'a appelé comme... Enfin, c'est Adam d'ailleurs qui m'a appelé parce que c'est toujours Adam qui m'appelle. Et donc Adam m'a appelé pour me dire que en fait Com les avait traînés à l'arrêt de bus, machin. Donc bon, j'ai recadré un peu les choses en disant à Com que non, l'arrêt de bus c'était ok, mais quand j'étais là en fait, qu'il traîne pas ses petits frères avec lui. C'est vrai que lui il a 10 ans, donc se promener dans la commune c'est pas un souci. Enfin, j'ai envie de dire qu'à la limite même avec Adam, ils vont à la bibliothèque tout seuls et tout, même Marceau, il va avec eux à la bibliothèque. En fait, j'ai l'habitude à ce qu'ils se promènent dans la commune. Alors, c'est pas des longs trajets, la bibliothèque, elle est juste à côté de l'école, hein, donc c'est tout à côté de chez nous. Mais comme ça, ça me dérange pas qu'il aille chercher sa sœur à l'arrêt de bus. Mais là, pour le coup, j'avoue que j'ai quand même bien flippé d'appeler 20 fois à la maison et que personne ne me réponde. Donc, tout le temps de mon rendez-vous, j'étais pas bien. L'assistante sociale, évidemment, m'a demandé pourquoi je venais, etc. Donc, j'ai expliqué, j'ai dit que c'était le psychomotricien qui avait évoqué le fait que peut-être je pourrais avoir une aide à domicile. Donc, elle m'a confirmé qu'effectivement, il y a une part qui reste à la charge des familles, c'est obligatoire. Et elle m'a dit, après, en fonction de votre quotient familial, c'est plus ou moins élevé. Elle m'a dit, le taux horaire, c'est 25 euros, je sais plus combien. Donc là, je me suis dit, non, clairement, c'est de l'heure, hein, 25 euros. Alors, je crois que c'est 23 euros pour avoir une aide à domicile, donc une femme de ménage, en fait. Et c'est 25 euros pour avoir une TISF. En fait, une TISF, c'est une aide à domicile, mais qui est aussi formée et habilitée à garder les enfants. Donc, à les gérer en ma présence ou en mon absence. Elle peut tout à fait aller les récupérer à l'école pour faire le relais avec moi. Enfin, voilà. Donc, moi, dans l'idée, ce que j'aurais voulu, c'est qu'elle puisse les faire manger le midi et avoir une présence le mercredi. Quand elle m'a annoncé 25 euros, je me suis dit, non, clairement, c'est pas possible, quoi. Donc, elle me dit oui, mais elle me dit ça, c'est son tarif horaire. Elle me dit, mais vous, la majorité est prise en charge par la CAF par rapport à votre situation. Elle me dit, maintenant, j'ai juste besoin de connaître votre quotient familial et je vais vous donner le coût qui reste à votre charge, en fait. Et là, je me suis dit, d'accord. Et donc, en fait, ça me coûterait 1,90€ de l'heure. Donc, honnêtement, je vais pas me priver. En tout cas, du coup, elle m'a donné, l'assistante sociale, un numéro pour... passer par l'ADMR, donc je vais passer par l'ADMR, c'est toujours la même personne qu'il y a quelques années quand j'avais eu ça en fait, une TISF après la naissance de Marceau.
Donc, c'est très bien. Je l'ai appelée tout à l'heure. Je lui ai laissé un message. J'ai expliqué à quelle heure je suis joignable. Donc, j'attends qu'elle me rappelle. En fait, cette femme, elle vient chez moi. Elle me fait un devis par rapport à mes besoins, en fait. Elle me renseigne sur tout ce dont j'ai besoin d'être renseignée. Et puis, on monte le dossier. Et puis, on met ça en place. Et honnêtement, ça peut être hyper rapide parce que il me semble qu'elle peut faire intervenir quelqu'un dès le lendemain, en fait. Donc, ça, c'est plutôt très positif. Donc, j'espère qu'elle va me rappeler rapidement, qu'elle pourra venir rapidement parce que j'ai besoin urgemment, en fait. Du coup, tout à l'heure, on est allé un petit peu chez Leclerc, pas longtemps, mais en fait, elles avaient besoin d'un porte-vue. Donc, on a été acheter un porte-vue. Et puis, j'ai vu ce matin, en plus, qu'on n'avait plus de cacao quasiment. Donc, j'ai repris du cacao. On a pris des pizzas pour manger ce soir. Et puis, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? On a pris des pizzas. Ah oui, si, on avait pris de quoi se faire un petit apéro. En fait, je voulais faire plaisir aux enfants, enfin les remercier surtout, les garçons. Parce que c'est vraiment une source de stress, d'inquiétude. Et c'est vrai que quand j'ai demandé à Com comment ça se passait dans la rue, qu'il m'a répondu, ça se passe bien. Enfin, genre, il était surpris que je pose la question. Je lui dis, en même temps, avec Marceau et Adam, c'est pas forcément logique que ça se passe bien, quoi. Et il me dit, si. Il me dit, en fait, on marche et on discute. Ok, mais c'est super, en fait. Donc voilà. Alors, du coup, ce soir va être le dernier vlog avant un certain temps, puisque je vais envoyer mon ordinateur en réparation. J'en avais parlé, je l'avais dit, je l'avais annoncé. Et le jour est arrivé. Parce qu'à un moment, il va bien falloir le faire et que j'ai ma patronne qui, en fait, m'a laissé entendre, alors pas aujourd'hui, mais quand elle m'avait demandé de faire le travail sur les mails, là, elle m'avait laissé entendre que j'aurais pu travailler en télétravail, donc de chez moi, sur mon ordi perso, ce qui est totalement possible à partir du moment où l'informaticien me crée un accès. Simplement, si j'ai pas d'ordi au moment où elle me demande, c'est un petit peu bête, quoi. Donc, je fais en sorte que mon ordinateur soit revenu assez vite. C'est important. Donc, je vais l'envoyer maintenant. Comme ça, au plus vite, je l'envoie. Enfin, au plus tôt, je l'envoie. Au plus tôt, je le récupère. Et du coup, au plus tôt, je le récupère. Ou au plus tôt, je serai disponible, du coup, pour éventuellement aider ma patronne si elle en a besoin. Et puis comme ça, dès que je l'aurai récupéré, eh bien, on se retrouvera. Ceci étant, on ne se perd pas de vue, n'est-ce pas? Puisque je suis quand même sur Instagram en attendant. Du coup, je partagerai mon anniversaire de dimanche sur Instagram. Et puis, ensuite, ce week-end, c'est un week-end où les enfants sont chez papa. Donc, de toute façon, j'aurais pas eu grand-chose à vlogger à part mon anniversaire. Donc, je le partagerai sur Instagram. Je vais clôturer maintenant ce dernier vlog avant longtemps. Je voulais aussi vous dire que c'est pas encore officiel, hein, bien sûr, parce que j'ai des petits travaux en attente, mais la boutique va réouvrir ses portes, bien sûr. Et j'ai déjà un deuxième contact pour une commande. Enfin, je sais pas s'il y a une commande qui va venir derrière, mais en tout cas, une personne m'a contacté en message privé pour me demander comment accéder à la boutique parce qu'elle ne trouvait plus le site. Donc, je le répète, le site internet de la caverne d'Ali Magan n'existe plus. Je l'ai supprimé il y a déjà 2 mois, je crois. Même si j'avoue que je suis assez surprise parce que je paye encore. Normalement, ça doit s'arrêter le 5 octobre. Donc, j'espère que ça s'arrêtera le 5 octobre parce que c'est pas normal que je paye pour des services que je n'ai plus. D'autant que l'ami qui m'avait conseillé de passer par cette passerelle m'avait bien dit que c'était sans engagement. Donc, c'était un peu pour ça que j'étais allée chez eux aussi. Donc bon, à voir. Si c'est pas le cas, je les contacterai. Pour l'instant, il n'y a pas matière. Et bien sûr, je vais vous laisser. J'en ai pas très envie, j'avoue, parce que je sais qu'on va pas se retrouver avant un moment maintenant.
Mais on va essayer de se retrouver quand même un peu plus sur Instagram. C'est vrai que ces derniers temps, j'avais un petit peu des... Enfin, je suis revenue pendant une petite période là, et puis les jours passants, avec la reprise du boulot, tout ça, j'ai du mal. Donc je vais essayer de m'y tenir. Et bah, après, on se retrouvera dès le retour de mon ordinateur, c'est-à-dire dans 2 semaines, à mon avis. Donc voilà, eh bien écoutez, en attendant, je vous embrasse bien fort. Merci beaucoup pour votre fidélité. J'espère que vous serez toujours là à mon retour. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes prochaines journées, puisque, encore une fois, on ne se verra pas pendant plusieurs jours. Enfin, on ne se verra pas. On ne se voit pas vraiment, c'est vous qui me voyez en fait, pendant plusieurs jours, mais on n'aura pas d'échange en tout cas. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et puis bah, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'était pas encore fait, même si pendant 2 semaines là, ça va être un peu le désert. On va se retrouver dans la joie et la bonne humeur, hein, dans maximum 2 semaines normalement. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt.